Bonsoir à tous ou bonjour, en, dépend, en dépendant de l'heure à laquelle vous nous regardez. Voilà, soyez la bienvenue sur euh, la chaîne de télévision chrétienne, Réveil Télévision, Réveil TV. Donc euh, que le Seigneur soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir écouter sa parole, parce que c'est une grâce. Et la Bible nous fait comprendre que sa parole est une eau qui nous lave, et nous avons besoin de la parole de Dieu pour être lavés, pour être purifiés par elle, afin que chaque jour nous puissions être préparés. Comme Esther qui se est préparait chaque jour, voilà, pour rencontrer le roi des rois, Jésus-Christ le véritable. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons partager quelque chose, voilà, euh, sur la parole de Dieu pour être encore encouragé. Donc, on va prendre notre passage de base et dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Voilà. Nous allons parler, partager par la grâce de Dieu être encouragé par la grâce de Dieu sur la foi, sur la foi. La foi, pourquoi la foi Parce que Jésus va dire que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre À quel niveau est notre foi Et vous savez, la foi doit grandir et elle grandit au travers de, des différentes situations que le Seigneur met face à nous. Voilà, donc c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons partager la foi selon que le Seigneur va nous conduire. Donc, Marc chapitre 5, on va lire à partir du verset 21. Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Et quand Jésus regagna de nouveau en barque l'autre rive, une grande foule se rassembla, se rassembla près de lui. Il était près de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et le pria instamment en disant, ma petite fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla donc avec lui. Et de grandes foules de gens le suivaient et le pressaient. Or, verset 25, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait sans avoir éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guérie immédiatement la perte de sang s'arrêta et elle suit dans son corps qu'elle était guérie de son fléau et immédiatement jésus sut en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant vers la foule, il dit, Qui a touché mes vêtements Verset 31. Et ses disciples lui dirent, Tu vois que la foule te presse et tu dis, Qui m'a touché Mais il regardait tout autour pour voir, sachant ce qui s'était passé, pour voir seul, celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jeta à ses pieds et lui déclara toute la vérité et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton fléau. voilà vraiment une histoire très intéressante, très belle. voilà ici, le contexte de l'histoire, on nous parle du chef de la synagogue, jairus, qui va apprendre que jésus était venu, était venu dans la rive du côté où il était, et jairus, puisque sa fille était malade, va demander à jésus de venir. Prier pour sa fille dans la maison. Et pendant que Jairus va faire une requête pour le Seigneur, au Seigneur, pour sa fille, ben il va avoir quelqu'un qui va saisir le passage de Jésus par là pour lui aussi saisir, pour elle aussi saisir une occasion de guérison, d'obtenir par la foi la guérison auprès du Seigneur Jésus. Ici on voit une femme qui était très malade, qui a beaucoup souffert, énormément souffert, on nous dit qu'elle a eu une perte de sang pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Toutes ses économies sont parties auprès des médecins. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être le cas de beaucoup de ceux qui nous suivent ici. Et elle n'a pas eu gain de cause. Mais vous savez, les maladies, il y a plusieurs, il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des maladies euh, naturelles, ça peut être une grippe, il y a des maladies spirituelles. Oui, il y a les, notamment tout ce qu'on appelle maladies psychosomatiques, voilà, les, la perte de sommeil, l'anxiété, toutes ces choses-là, les maladies, des maladies psychosomatiques sont dues aux démons. Oui, il y a des maladies, l'ivrognerie, l'impudicité, le mensonge, la, la, la haine, la jalousie. Ce sont des maladies dont les hommes souffrent. Et ces maladies-là, beaucoup ont essayé des méthodes pour s'en débarrasser, mais ça n'a pas marché. Ça fait peut-être 12 ans. Tu fais tous les efforts possibles. Il y en a qui sont attaqués par les maris, les femmes de nuit. Il y en a qui sont violés dans les songes. Il y en a qui mangent tous les soirs dans les songes. Ils sont invités à la table nocturne. Il y en a qui sont dans la sorcellerie, qui veulent en sortir, qui ont essayé de leur propre force. Ça ne marche pas. Ils retombent là-dedans. Il y en a qui sont des voleurs, des assassins. Ils ont essayé de pouvoir se soulager la conscience, mais ça ne marche pas. Et cette femme va entendre parler de Jésus. Et elle va se dire, si je puis seulement toucher, toucher sa robe, je serai guérie. Frère, ici, il est question de toucher. Mais pas n'importe quel toucher, un toucher spécial. Est-ce qu'on peut nous remettre le passage à l'écran, s'il vous plaît? Un toucher spécial. Un toucher vraiment spécial. Alors, plus haut, on remonte. Voilà. Alors, voilà, on va descendre à partir du verset 24. Jésus s'en alla donc avec lui, et de grandes foules des gens le suivaient et le pressaient. Donc, on nous fait comprendre que Jésus était accompagné de grandes foules. Il y avait beaucoup de personnes autour. Cette femme n'était pas seule. Il y avait plein de personnes. Il y avait déjà les apôtres, les douze, plus les autres apôtres qui marchaient avec Jésus, parce que dans certains passages, on nous parle des 70. Donc, il y avait. Déjà des disciples de Jésus qui le suivaient, plus la foule, plus Jairus et les personnes qui sont venues avec lui. Vous voyez, sans compter les Sadducéens, les Pharisiens qui étaient là toujours pour épier le Seigneur. Donc ces gens-là étaient là, la foule. Vous voyez, Et quand la Bible nous parle de la foule, on nous parle de oklos ». Vous voyez, D'accord, c'est euh, un, un, un regroupement de personnes en désordre. Donc dans la foule, il y a, il y a le mélange, il y a les disciples. D'accord Et il y a aussi ceux qui ne sont pas de Dieu. Donc toutes ces personnes-là étaient là. Comme aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, il y a tout ce mélange. Toutes ces personnes, les personnes qui sont de Dieu, les personnes qui ne sont pas de Dieu, les faux apôtres, les faux prophètes, il y a les enfants de Dieu mélangés là-dedans. Dans beaucoup d'assemblées, sinon dans toutes les églises, hein, même avec le Seigneur, il y avait Judas qui était dedans, qui était faux. Donc c'est ça la foule. Mais au milieu de la foule, il y a des véritables enfants de Dieu, des hommes de foi. Que tu peux être, que je peux être, qui peuvent toucher le Seigneur par la foi. Et c'était le cas de cette femme. Et on dit, au verset 25, Or il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'elle était fatiguée de cette perte de sang. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frère, nous avons besoin d'être fatigués et chargés pour aller vers Jésus. Et c'est ça, souvent, ce qui nous manque. C'est que nous ne sommes pas fatigués et chargés pour aller vers Jésus. On a besoin de soupirer. Seigneur, donne-moi d'avoir la haine, la fatigue face à cette situation pour que je m'en sorte. Tant qu'on considère qu'une situation est normale, on n'a pas envie d'aller vers Jésus. Tant qu'on prend plaisir à son péché, on n'a pas envie de s'en débarrasser. On n'a pas envie de le laisser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette femme était fatiguée. 12 ans. Pendant 12 ans, elle a souffert. Elle a vu les médecins. On lui a donné certainement des potions à boire. On lui a peut-être fait des incisions parce qu'à l'époque la médecine était encore très traditionnelle. On lui a peut-être fait des incisions. On lui a donné des, des choses à boire. On lui a frotté des choses. Elle s'est ruinée. Au verset 26, on dit et qui avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Donc même ce que les médecins lui avaient donné comme traitement, à lui, c'était une souffrance pour elle. Les effets indésirables, les effets secondaires des médicaments, c'était compliqué pour elle. Et elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait sans avoir éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Donc, même ses consultations médicales n'avaient pas donné de solution pour elle. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit, qui a couru d'église en église auprès des pasteurs, qui s'est fait escroquer en donnant des dîmes, les offrandes, en faisant des cures d'âme et toutes ces choses qui sont diaboliques, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Des gens qui ont payé des pasteurs, des prophètes, des apôtres pour avoir la, la délivrance, alors que la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On prie pour les frères et les sœurs, pour les personnes qui sont dans la détresse gratuitement. On ne demande pas d'argent, on ne prend pas d'argent. Si la personne veut faire une offrande, elle fait l'offrande au Seigneur. On n'est pas obligé de la prendre. Et même si la personne nous la donne, le Seigneur peut nous demander de prendre cette offrande et la donner à quelqu'un d'autre. Donc cette femme souffrait. Elle souffrait beaucoup. Elle souffrait beaucoup. Elle allait de mal en pire. Oui. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Je connais des personnes qui ont fréquenté beaucoup d'assemblées, qui ont fréquenté les églises pendant plusieurs années. Et ces personnes n'ont pas trouvé gain de cause, elles n'ont pas trouvé la délivrance. Elles ont, été, elles ont reçu l'imposition des mains de plusieurs personnes. Il y en a qui ont dû être violées par des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont couché avec elles parce que les pasteurs leur ont dit si tu veux avoir un enfant, il faut que tu couches avec moi. Même des femmes mariées. Quelle abomination, Seigneur. Et ces hommes ont besoin de se repentir. Et ces femmes ont été blessées, elles sont allées de mal en pire, de mal en pire. Leur foyer a pris un coup, ton foyer a pris un coup, ton environnement social a pris un coup. C'est difficile. Chaque année qui passe, chaque jour qui passe, tu es dans la déprime. Tu es allé d'église en église, on t'a donné des solutions, on t'a demandé de faire des bains, d'imposition des mains, on t'a demandé de faire beaucoup de choses, de donner des offrandes, on t'a demandé... De faire des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 30 jours, de 15 jours. On t'a demandé de lancer le feu, toutes ces choses diaboliques qui ne viennent pas de Dieu. Maintenant, on a oublié de te donner, de dire de faire une seule chose Allez vers celui qui a la solution, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour s'approcher de Jésus, il faut être saint. Il faut avoir la foi. Il faut l'aimer. Il faut vouloir obéir à ses commandements. Et c'est ça la difficulté. C'est pourquoi les hommes pour faire les solutions des hommes, des commandements d'hommes, afin de vouloir trouver la solution à leur problème. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est Christ. La solution, c'est Jésus, comme cette femme a fait. Elle s'est rapprochée de Jésus. Elle s'est rapprochée de Jésus. Et à la suite du verset, à la suite du verset, à la suite du verset, on va voir, d'accord, que... Elle va entendre parler de Jésus au verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, mais quel Jésus Jésus qui guérit, le véritable Jésus qui sauve, qui chasse les démons, le véritable Jésus qui condamne le péché, qui condamne les relations sexuelles avant le mariage, qui condamne l'adultère, qui condamne le vol, le mensonge, la haine, la jalousie, la sorcellerie, qui condamne toute forme de péché, l'ivrognerie, la, la drogue. Euh, toutes ces choses, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, la convoitise, toutes ces choses, c'est de ce Jésus dont elle a entendu parler. Vous voyez? Et on nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Donc elle va maintenant quitter de sa cachette parce que pour la petite histoire, il faut savoir qu'en Israël, selon la loi de Moïse, les femmes qui avaient des flux sanguins, soit par la maladie, soit parce qu'elles avait ses menstrues n'avaient pas le droit de s'approcher des gens, elles étaient considérés comme étant impures. Donc non seulement cette femme souffrait dans sa chair, mais aussi elle souffrait socialement parce qu'elle était rejetée. Elle était rejetée des hommes. Elle était rejetée de sa famille. Elle ne pouvait même pas avoir de mari parce qu'aucun homme ne pouvait l'épouser à cause de sa situation. Ma soeur, laisse-moi te dire que peu importe ce par quoi tu es passée, si tu viens à Jésus, tu acceptes Jésus, ou tu es en Jésus, tu t'attaches à Jésus tu verras la différence. Et donc cette femme, on nous dit, elle va venir dans la foule. Elle va rentrer dans la foule. Vous voyez, elle va venir dans la foule par derrière. C'est-à-dire, au moment où tout le monde était concentré sans s'occuper des regards des gens, elle va venir. Et elle va faire quoi Elle va toucher son vêtement. Vous savez, cette femme a pris un gros risque parce que cette femme aurait pu être lapidée. Parce que les Juifs, étant tellement rigoureux avec la loi, tellement mauvais, on voit l'exemple dans Jean 8 avec la femme adultère, ils ont voulu lapider cette femme parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. Et si les Juifs qui connaissaient cette femme l'avaient vue, ils auraient voulu la lapider. Elle a pris un gros risque, elle a joué sa vie. Qu'est-ce qui te retient Pourquoi tu ne veux pas exercer la foi Qu'est-ce qui te retient Qu'est-ce qui te bloque C'est parce que cet homme s'occupe de toi, c'est parce que cette femme s'occupe de toi, parce qu'aujourd'hui aussi on a des hommes qui dépendent des femmes. À cause de quoi des biens matériels? À cause d'impostes? À cause de quoi l'argent? À cause de la nourriture, c'est à cause de ça que tu ne veux pas laisser poursuivre Jésus, tu ne veux pas exercer la foi? Cette femme a risqué sa vie, frères et sœurs. Cette femme a risqué tout ce qu'elle avait. Déjà elle avait tout perdu. Elle s'était rendue compte que de toutes les façons, que je sois lapidé ou pas, ma vie est en train d'aller de mal en pire et certainement à cause des hémorragies continues, un jour je finirai par mourir. Elle s'est dit, ça coûte quoi De mettre ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, pour obtenir le salut. Et peu importe ce que ça va me coûter, je vais le faire. Peu importe ce que les hommes diront, je le ferai. Cette femme va mettre sa foi. Et la Bible nous dit, elle va toucher le vêtement de Jésus. Frère, c'est terrible. Pas n'importe quel toucher. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde touchait Jésus. Et Jésus va dire... Qui m'a touché Qui m'a touché C'est qui qui m'a touché Qui m'a touché Et regardez la réaction des disciples. On va voir la réaction des disciples. Qui m'a touché Demande le Seigneur. Qui m'a touché Vous Voyez Qui m'a touché au verset 31 Et ses disciples lui disent, tu vois que la foule te presse. Et tu dis qui m'a touché. Tout le monde te touche. Comment tu peux dire qui m'a touché Au verset 32. Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Il savait que ce n'était pas tout le monde. Ce n'était pas un toucher comme le toucher de tout le monde. Il y en a qui touchaient parce que simplement ils voulaient voir pour aller raconter. Il y en a qui touchaient simplement parce qu'ils voulaient avoir la... Ils pensaient qu'avec le toucher, ils allaient avoir l'argent, ils allaient avoir les biens matériels. Il y en a qui venaient parce qu'ils voulaient avoir des postes. On voit par exemple les disciples, les premiers disciples, Jean et son frère, les fils de tonnerre, qui ont dit à Jésus... Permet qu'on soit assis l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et leur mère a fait cette demande à Jésus. Les postes. Il y en a qui vont dans les assemblées pour avoir les postes, pour devenir diacre. Il y en a qui vont dans les assemblées pour chercher à être pasteur, pour vivre. Ça, ce n'est pas la foi. Ils doivent se repentir. Cette femme s'est approchée de Jésus. Vous voyez Alors on dit alors la femme saisit des craintes. Vous voyez, quand on s'approche de Jésus, il y a la crainte. Il y a la crainte. On ne peut pas s'approcher de Jésus et être normal. Il y a la crainte dans nos cœurs qui s'établit. Forcément parce qu'on s'approche du Dieu véritable, du Dieu qui nous a créés, de celui qui est notre Créateur, qui nous connaît, d'un Dieu véritable et puissant. On s'approche de lui. Vous voyez, et cette femme s'est approchée de lui. Et on nous dit, elle était, elle était pleine de crainte et de tremblement, comme le peuple d'Israël lorsqu'ils ont vu la montagne qui était toute en feu. Vous voyez, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu la montagne en feu, ils ont eu peur et ils ont dit à Moïse Ce spectacle est terrible. Parle avec Dieu, nous ne voulons plus que Dieu nous parle et tu viendras nous dire ce que Dieu a dit. La crainte de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, tu veux exercer la foi, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte, l'assurance avec Dieu. La crainte avec Dieu. On va prendre une autre histoire qui est aussi, aussi merveilleuse. Aussi merveilleuse. Une, une autre histoire qui est aussi merveilleuse. Il s'agit de l'histoire de Bartimée dans Luc 18. Luc 18. Luc 18. Luc 18 à partir du verset 35. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Frère, la foi, sœur, la foi, c'est tout ce qu'il nous faut. Jésus dit Si nous avons seulement la foi comme un grain de sénévé, on dira à cette montagne Prends-toi, jette-toi dans la mer et elle se jettera. La foi. La foi rend existante beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on va voir ce que la Bible nous dit sur la foi. Donc on est dans Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Voilà, Luc chapitre 18 à partir du verset 35. C'est une autre belle histoire sur la foi. Or il arriva. Comme il approchait de Jéricho, il pour Jésus, qu'un aveugle était assis près du chemin, demandant l'aumône. Ici, on nous donne une information importante. Un homme pauvre, sa vie se résumait à demander l'aumône aux gens. Verset 36. Et étant et entendant la foule, vous voyez, toujours la foule. Il y a toujours la foule avec Jésus. C'est pourquoi, quand on va dans les assemblées, il ne faut pas aller suivre les hommes. Il faut aller suivre Jésus. Vous voyez? Et il faut aller dans les assemblées. Là, on prêche Jésus. Mais même dans les assemblées où on prêche Jésus, il y a toujours la foule. Il y a des sorciers qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Il y en a qui viennent pour faire tomber les hommes, faire tomber les frères, les pasteurs, les sirènes des eaux. Il y a tout ça. Vous voyez, il y a des formations qui rentrent pour, 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 pour qu'ils qui, qui s'introduisent dans le but de venir chercher à, 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 à infiltrer l'œuvre de Dieu. On nous dit au verset 36, « Et entendant la foule qui passait, il demanda ce que c'était. » Il était interpellé. Au verset 37, « Et on lui dit... » C'est Jésus, le Nazaréen qui passe. Oh Seigneur, quel beau nom Le nom de Jésus, le nom de Jésus, frère. Ce n'est pas le nom d'un pasteur. On ne lui a pas dit c'est le pasteur X, c'est le pasteur A, c'est le pasteur B de telle église. Aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un de Jésus, il te demande c'est quoi le nom de ton pasteur Non, laisse ne cherche pas à connaître le nom de mon pasteur. Je te parle du pasteur des pasteurs, le pasteur par excellence, le gardien des brebis, le gardien des brebis, Jésus. On lui dit c'est Jésus le Nazaréen, pas n'importe lequel, pas bar Jésus, pas Jésus de l'Église de, 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 des assemblées de la prospérité, pas Jésus de lancer le feu, pas Jésus de la cure d'âme du premier au trente, pas Jésus de l'impudicité des assemblées où on prêche l'impudicité, pas Jésus de un Jésus mendiant qui demande ton argent, pas Jésus qui est toujours accroché à la croix ou bien Jésus qui est toujours bébé. Ce n'est pas ce Jésus-là. Pas Jésus qu'on célèbre toujours le 25 décembre. Ce n'est pas ce Jésus. Pas Jésus qu'on va dire que non, Jésus veut qu'on le célèbre le samedi. Ce n'est pas ce Jésus dont on parle. On parle du Jésus de la Bible. Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui reviendra pour prendre son Église. Un Jésus qui veut des hommes saints. C'est de ce Jésus-là dont on lui a parlé. Donc vous voyez, c'est toujours l'évangile de la vérité qui crée le déclic. Il a entendu parler de Jésus, de la vérité, parce que Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a entendu parler de lui. Au verset 38, on dit Alors il cria, frère, crie Tu dois crier à Jésus. Oh, Alléluia. Il va crier, crier à Jésus. Alors il cria, disant Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Frère, un cri. Ah, il faut, il y a cri et cri. Dans la foule, il y avait des gens qui parlaient dans la foule, il y avait des gens qui disaient des choses. Il y avait des gens qui parlaient, mais là il y avait un cri spécial. C'était le cri d'un homme, d'un véritable cri de détresse qui venait du cœur, d'un homme sincère. Il dit, il cria à Jésus, fils de David Aie pitié de moi, aie pitié de ma condition. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de ma condition d'être un mendiant. Pourquoi Parce que je suis aveugle. Je veux travailler, Seigneur, mais je suis bloqué par quelque chose. Je veux te suivre, Seigneur, mais le péché me bloque. Et regardez le verset 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, ai pitié de moi. Frère, il y a des hommes, il y a des choses autour de toi. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, père, mère, jeune homme, il y a des choses autour de toi qui te bloquent et qui t'empêchent de voir Jésus, d'aller vers Jésus. C'est peut-être ton ami, ton petit ami, ton copain, ton péché. L'amour de l'argent te bloque, t'empêche de voir Jésus. Mais cet homme Bartimée. Fils de Timée va crier encore plus fort. Il va refuser de laisser la situation présente le dominer. La Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, il n'a pas crié aux hommes. Il n'a pas grondé les hommes. Il n'a pas regardé aux hommes. Il a dit, moi, je fais une chose. Je crie à Jésus. Fin. Je sais que Jésus va m'écouter. Enfin, vous pensez que Jésus ne l'a pas écouté la première fois Jésus l'a écouté. Jésus a dit, je vais voir si cet homme veut véritablement que je fasse quelque chose pour lui. Regardez. Il va crier. Verset 40. Et Jésus s'étend à arrêter. Frère, <laughs> il y a des cris qui font arrêter Jésus. La repentance, c'est une chose qui fait arrêter Jésus. Tu vis dans le péché, tu te mets à genoux, tu décides de te repentir dans ta chambre, dans ton lieu secret, dans ton cœur, même en marchant, tu t'arrêtes. Seigneur, je suis fatigué de ma vie. J'ai véritablement besoin de toi, comme Bartimée, Seigneur. Opère une délivrance dans ma vie. Je veux abandonner le péché, je prends la résolution sincère de me détourner de mes mauvaises voies et de te suivre, Seigneur, viens dans ma vie, entre dans ma vie, touche-moi. Regardez la suite. Et Jésus s'étant arrêté ordonna qu'on lui on le lui amène. Frère, Jésus ordonne. Il a dit aux disciples. Il a dit allez dans la ville. Allez dans la ville. Allez-y. Vous allez trouver un anon. Vous allez trouver un anon. Qui est attaché. Détachez-le et amenez-le. Si on vous le demande, dites Le maître en a besoin. Le maître en a besoin, frère. Le maître en a besoin. Et c'est l'image ici avec Bartimée. On va dire Amenez-le. Jésus va dire Amenez-le. Et quand il se fut approché, verset 41. Il lui demanda, demanda que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Jésus te pose ce soir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Ne lui demande pas les biens matériels, il ne le fera pas. Ce n'est pas ça ta priorité. Ta priorité, c'est le ciel. Il dit, recherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus tout. Il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et dans d'autres versions, on nous dit qu'il va se lever aussitôt, il va abandonner, il va abandonner, il va abandonner. Dans d'autres versions, on peut le voir, hein? dans d'autres versions, par exemple dans Matthieu et dans Marc, on va pouvoir le voir, si, si le temps le permet. Dans Marc 20, d'accord, on voit qu'il va abandonner son manteau. C'est l'image de quelqu'un qui va abandonner son manteau. Donc si l'équipe peut vérifier dans Marc 20, d'accord, dans Marc 20, à partir du verset 29 à 34, si on parle d'abandonner le, le manteau là-bas. Oui. On nous dit qu'il va abandonner son manteau, c'est-à-dire l'image de quelque chose qui, qui, était, qui était son soutien. Parce qu'il savait qu'en devenant, en recouvrant la vue, il n'avait plus besoin de ce manteau. Il savait qu'il pouvait aller travailler, s'acheter d'autres manteaux. Il ne pouvait plus compter sur le monde. C'est vraiment riche d'enseignement, l'attitude de Bartimé. C'est riche d'enseignement. Bartimé va abandonner son manteau et va dire à Jésus, Seigneur, je veux une seule chose, c'est recouvrir la vue. Je veux voir. Je ne veux plus être comme j'étais avant. Je veux être transformé. Je veux être un autre homme. Je veux que les gens qui m'ont vu avant ne me reconnaissent plus. Que les hommes reconnaissent que tu as travaillé dans ma vie. Frère, la prière de Bartimée va toucher le cœur de Jésus, notre Dieu, notre roi. Il y a des prières qui interpellent le Seigneur. La Bible nous dit que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté, il nous l'accordera. Mais il nous l'accordera aussi en son temps. Vous voyez Et c'est ça la foi. La foi, c'est compter sur Dieu, c'est apprendre à demander à Dieu selon sa volonté. Vous voyez, si quelqu'un demande des choses charnelles à Dieu qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, quelqu'un qui va dire à Dieu Seigneur, je veux que tu me donnes une promotion pour montrer à mes voisins aussi que je suis un homme influent, ça c'est une prière charnelle. Seigneur, je veux que tu tues mes ennemis, c'est une prière charnelle. Lancer le feu pour détruire, c'est tuer ses parents, ce sont des prières charnelles. Elles ne viennent pas de Dieu ces prières. Elles ne viennent pas de Dieu. Donc je ne sais pas si l'équipe technique a pu vérifier dans Marc chapitre 20, à partir du verset 29 ou dans Luc dans dans, dans Matthieu pardon c'était Matthieu 20 verset 29 à 34 Matthieu 20 29 à 34 désolé à vous donc vous avez Matthieu 20 29 à 34 et vous avez Marc 10 46 à 53 voilà ce sont les renvois et vous avez ces histoires là D'accord Et euh, on nous en parle. Donc, bref, il n'y a pas de souci. On peut continuer avec euh, le passage, sauf si vous avez trouvé. Donc, on voit combien de fois Bartimée a crié à Jésus. Bartimée n'a pas laissé. Il n'a pas laissé les hommes qui étaient autour de lui. Euh, voilà. Donc, on, a, on, a, on est au verset 30. Merci. Et voici deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin. Non, ce n'est pas ce pas, ce n'est n'est pas pas ça. Euh, ouais. Et la foule les reprenait. OK. Et la foule les reprenait, verset 31, pour les faire taire. Mais ils criaient encore plus fort, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Voilà. Donc, euh, on, on va avancer, on va, on va prendre un autre passage. Merci, l'équipe technique. On va prendre un autre passage. On va aller dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, Jacques chapitre 1, on va lire à partir du verset 5, Jacques chapitre 1 à partir du verset 5, Jacques chapitre 1 à partir du verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche. Et il lui sera donné. Vous voyez C'est ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un manque de sagesse, s'il manque de foi, s'il manque d'assurance, qu'il demande à Dieu, qui lui donnera. Parce que c'est ça les choses que, ce sont les choses que le Seigneur veut qu'on lui demande. Pas les biens matériels d'abord. Verset 6. Mais qu'il demande avec foi. Ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé ça et là par le vent. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'entende même pas recevoir quelque chose du Seigneur. Verset 8. L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas être double de cœur. Ce n'est pas basculer un moment ici et basculer demain. La foi, savoir l'assurance que je vais vers Jésus, je sais que le Seigneur fera. Et même s'il ne fait pas, ce n'est pas grave. Je sais que le Seigneur a des meilleures promesses que pour moi que celles que je lui demande. Et vous verrez que quand vous persistez, en attendant ce que le Seigneur doit vous donner, il vous donnera ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire ce que lui il a dans son plan. On va prendre Ephésiens 2.10. Merci Seigneur. Éphésiens 2:10 Éphésiens 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10 Éphésiens 2:10 nous dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Oui. Donc il y a déjà des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est pourquoi on peut lui demander des choses même avec foi. Et on ne peut pas parfois les obtenir parce que Dieu a préparé quelque chose d'excellent. Mais on ne doit pas se décourager parce qu'on n'a pas eu la chose qu'on désire. On doit patienter et on se rendra compte que Dieu nous donne quelque chose de meilleur. Pourquoi Parce que c'est notre Père. Parce qu'il est bon, vous voyez. Et il le dit dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 6, je crois. Jésus dit, Matthieu 6, on va le lire. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Voilà, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant, votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux Verset 27 Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature Les inquiétudes que tu peux avoir, tu peux crier, tu peux t'agiter, ça ne va rien changer. Tu peux pleurer devant Dieu, ça ne va rien changer. Dieu fera en son temps, mais nous, on doit exercer la foi en se disant Je continue à crier, peu importe les situations, peu importe les circonstances, ma foi, je la pose sur Dieu, je sais. Que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. On a l'exemple de Job qui a patienté. Oui. au verset 28, il dit :« Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Apprenez comment croit les lits des champs. ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis, je vous dis, que même Salomon, que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au faux ne vous verra-t-il pas à plus forte raison aux gens de petite foi Ne vous inquiétez pas donc en disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous Ou de quoi serons-nous vêtus Car ce sont les gens des nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, que vous avez besoin de toutes ces choses. Verset 33, mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même à chaque jour suffit son mal. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit, frère, par rapport à la foi. Par rapport à la foi, voilà ce que le Seigneur nous dit. Accrochons-nous à lui. On va prendre un dernier passage. Un dernier passage. Hébreu, chapitre 11. Hébreu 11. Alléluia. Hébreu 11. Hébreu 11, à partir du verset 1, on va lire Hébreu 11 à partir du premier verset. Hébreu chapitre 11, donc on parle de la foi. Or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage par la foi. Nous comprenons que les âges ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles par la foi abel offrit à dieu un sacrifice plus excellent que caïn et par elle il obtint le témoignage d'être juste parce que dieu avait dieu rendait témoignage de ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort par la foi Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort et il ne parut plus parce que dieu l'avait enlevé en effet avant son transfert il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à dieu pourquoi parce qu'il avait la foi Verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe, que Dieu est, qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Verset 7. Par la foi, Noé, ayant été divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit l'arche pour la conservation de sa famille. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient, qui est selon la foi. On va s'arrêter là. D'abord, vous savez, la construction de l'arche a pris à peu près 100 ans. Pendant 100 ans, Noé a construit une arche. Certainement qu'il y avait des gens qui disaient à Noé Mais tu construis l'arche de ce bateau-là, c'est pourquoi Et Noé disait aux gens Parce que Dieu a dit Il va détruire la terre par l'eau. Or, Jusqu'à cette époque, il n'y avait pas encore eu de pluie. La Bible nous dit dans Genèse qu'il y avait une vapeur qui remontait de la terre pour arroser les plantes. Donc les hommes n'avaient pas encore connu la pluie. Mais Noé va avoir foi en la parole de Dieu et il va construire l'arche. Et la Bible nous dit quoi Que par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Verset 8. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Parce que Dieu va lui dire, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans la terre que je te montrerai. C'est-à-dire, Dieu va lui montrer ça au futur. Dieu lui a d'abord dit, quitte, obéis, et ensuite je te montrerai. Si on veut voir des choses, il faut d'abord obéir, quitter le péché. Je ne sais pas comment vivre, Seigneur en quittant cet homme, je ne sais pas comment vivre en quittant cette, cette femme, je ne sais pas comment vivre si j'arrête de braquer, je ne sais pas comment vivre si j'arrête de mentir, j'arrête de faire les faux papiers, je ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas, mais je compte sur toi. Par la foi, Abraham étant appelé à obéir pour aller sur la terre, qui devait recevoir un héritage, et il partit sans savoir où il allait. Verset 9. Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas, elle ne lui avait pas appartenu demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob verset 10 car il attendait car il attendait la cité qui a des fondements celle dont Dieu qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur et le constructeur vous voyez voilà ce qu'on nous dit par rapport à la foi et vous pourrez lire la suite à la maison vous voyez, on nous dit que ces hommes vont s'attacher justement aux promesses de Dieu en regardant les choses à venir qu'ils qu n'ont pas obtenu toutes les promesses, mais ils sont restés attachés à Dieu. C'est ça, la foi. Donc, frères et sœurs, vraiment, c'était une exhortation pour nous encourager à demeurer dans la foi, à rester attachés au Seigneur, dans la foi, à croire aux promesses de Dieu, du Dieu véritable, le Dieu qui sauve Jésus-Christ. De comprendre que cette foi, selon Ephésiens 1.13, s'appuie sur l'évangile de la vérité ne s'appuie pas sur l'évangile du mensonge. Cette foi ne s'appuie pas sur l'évangile de la prospérité. Moi, je connais des gens, même dans ma famille, qui ont adhéré à l'évangile de la prospérité depuis plus de 15 ans, mais qui chaque année vont de mal en pire par rapport à leur situation financière. Et on comprend bien que, et même leur situation sociale, leur situation spirituelle, ça ne va pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous en parle dans le livre de Romains. Vous voyez? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cette parole doit être la parole véritable, l'évangile de notre salut. Un évangile pur, selon 1 Corinthiens chapitre 15, que Christ est mort et ressuscité. Ouais, C'est ça l'évangile. Et il est mort pour nos péchés. Et l'apôtre Jean va écrire que Christ est mort afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est ça l'évangile véritable, frère. C'est ça l'évangile véritable, sœur. Et si on a une foi basée dessus, on a une véritable espérance selon. Euh, selon euh, Ephésiens chapitre 4, la seule espérance que nous avons, celle d'être avec Christ, et de savoir que si nous avons cette espérance, toutes les autres promesses que Dieu nous a faites, Dieu les accomplira en son temps, selon ce qu'il veut. Et soyons comme Bartimée, soyons comme cette femme qui avait la perte de sang, qui ont touché Jésus par leur conduite, par leur façon de faire, par leur foi. Ils n'ont pas regardé aux autres, ils n'ont pas regardé à ceux qui étaient autour d'eux. Ils ont décidé d'aller de l'avant, malgré la foule qu'il y avait. Au milieu de la foule, ils se sont démarqués. C'est pourquoi, au milieu de l'assemblée païenne dans laquelle tu es, tu peux déjà prendre la décision de sortir. Et même de, au sein de cette assemblée, tu peux continuer à prier. Le Seigneur te touchera. D'accord Il te touchera, il te répondra. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans des assemblées bizarres, mais Dieu les répond. Pourquoi Parce que ce sont des enfants véritables. Et au temps favorable, Dieu les fera sortir de ces tombeaux blanchis pour les amener véritablement dans sa bergerie Vous voyez Attachez-vous au Seigneur, ayez confiance en lui, attachez-vous véritablement à sa parole et vous verrez le Seigneur agir, frères et sœurs. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Donc vous avez des contacts au bas de l'écran, vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par téléphone si vous souhaitez voilà, avoir un conseil par rapport à la parole, c'est gratuit, vous souhaitez euh, quelque chose selon la parole. Voilà, la prière c'est gratuit, tout est gratuit. La Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc véritablement frères et sœurs, euh, nous voulons vous encourager à persévérer parce que Jésus revient. Donc voilà, c'était euh, l'objet de notre partage, la foi et soyez tous encouragés dans vos maisons avec vos familles, priez pour vos familles, priez en famille et partagez la parole de Dieu autour de vous. Donc voilà, que le Seigneur soit béni, persévérons dans la foi. Et vraiment, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et euh, on se retrouve pour euh, la prochaine fois pour notre émission. Voilà, donc, que Dieu soit béni. À la prochaine.